Bonjour, juste une petite vidéo de présentation. Allez, sous anonymat. Hein. Je marche parmi nous, j'aime bien, c'est un bon format. J'ai eu sur le Lulu.com, je crois, ou Lulu.fr, je sais plus. Un site, voilà. Je suis une extraterrestre, petite amie. Voilà, grand format. Belle couleur bleue. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis bleu, bleu. Ma présentation, elle est bleue aussi, ouais, comme quoi, souvent. Voilà. Magnifique. C'est juste une petite présentation. Je sais pas si je ferai des vidéos, je vais voir, mais déjà je présente le livre. Elle m'a contacté il n'y a pas autant, et je me suis dit, bah oui, je vais quand même faire une vidéo. Et je vais présenter le livre. Et puis n'oubliez pas ce soir, c'est Alien Theory sur RMC chaîne 23, vers 21h05, 21h10, et c'est inédit. Inédit, voilà, je préfère le dire, ce soir. Hein. Comme ça, vous regarderez. Alors, je sais pas, c'est certainement inédit pour les deux premières émissions. Après, le reste, c'est toujours du jeu, du revu. Hein. Malheureusement. On pourrait trouver ces Alien Theory FR sur YouTube, mais bon. Voilà, magnifique. Alors, c'est parti. Et après, je coupe là. C'est juste la présentation. Alors que je croyais être un être humain comme les autres, des visiteurs très spéciaux des extraterrestres sont venus me raconter au petit matin leur étrange vie et le rôle que j'y jouais. Encore une fois, c'est une dame, une femme, là c'est une femme, bon, qui est en contact avec des extraterrestres. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus. Quelque chose de nouveau. Hein, bon. Observatrice, guerrière, secrétaire, je fais partie de leur ethnie et j'aide les êtres humains. Azuéri, lune, poisson ou encore nous sommes toi, ils m'ont fait une démonstration de leur talent de pilote et j'ai photographié et filmé la flotte de leur nef, c'est-à-dire leur vaisseau. Hein. Galactique ou les vaisseaux du mer, bon. Nef, N-E-F-S. Ils m'ont demandé de témoigner, de raconter au Jama Afjal. Les humains, à quel point leur vie était intriguée à la leur. Ils m'ont raconté la guerre interstellaire qui se déroule à travers le temps et l'espace. Ils appartiennent à l'Alliance Intergalactique. Donc ça rejoint un petit peu les sphères bleues, je veux dire, les Pléiadiens, enfin tous ces races-là comme Elna Danan ou David Rousseau en contact des Pléiadiens, quoi, je veux dire, Andromédiens, Acturiens, enfin bref, Lyriens. Bon. Enfin, j'imagine. Ils m'ont raconté la guerre interstellaire qui se déroule, voilà, intergalactique. Si vous avez toujours voulu comprendre quel est cet étrange phénomène qui illumine les nuits, ces sphères ressemblant à la Lune, ces rectangles blancs lumineux, ce livre est destiné à vous le faire comprendre. Bah moi, ça, justement, c'est pile poil ce qu'il me faut. J'ai également illustré ce que j'ai vu, mon père, un être d'une taille gigantesque, un univers à lui seul, et mes frères, sœurs. La Terre a besoin d'amour, elle a besoin de soins, vous pouvez nous aider à la défendre, les nefs vont bientôt se poser, les nefs, vaisseaux, les navires, vont bientôt se poser, des humains vont bientôt partir. Magnifique, voilà. Et c'est un grand format, hein. Sur Lulu, vous allez sur Lulu, je ne sais plus, dans les 20 ou 22, je ne sais plus. Franchement, c'est un gros format, donc je dis rien, je peux rien dire. Puis j'aime bien la couleur tête bleue, bleu foncé, il y a 175 pages, 180. Et ça va être assez rapide à lire. Alors, je sais pas si je ferai une vidéo ou deux, je sais pas. Après, c'est elle qui va me demander, peut-être elle voudra, je sais pas. Hein. J'essaierai de faire une vidéo ou deux, mais pas plus, quoi. Moi. Je peux pas trop redire non plus. Hein. Mais en tout cas, je suis bien content. Un beau petit livre, très intéressant. Je marche parmi vous. Ça fait penser au livre de David Jacob, je crois. Ouais. Il marche parmi nous, mais bon, là. Je suis une extraterrestre, petite amie. Voilà. Bon, je coupe là. Ce soir, n'oubliez pas, Alien Theory. J'ai bien content d'avoir reçu aujourd'hui. J'ai envoyé le courrier, j'ai dit tiens. Voilà, puis je la connais depuis peu. Et comme je suis souvent en contact avec des gens comme ça, on va dire. Hein, ben ah oui, en plus, je vois des photos, je n'ai pas commencé à vous faire voir des nefs. C'est intéressant, il y a certains passages intéressants. Après, elle m'a envoyé le même en version couleur, mais c'est en PDF. Alors, malheureusement, j'ai pas d'imprimante, mais bon. Mais très sympa de sa part, en tout cas. Bon, voilà. N'oubliez pas, ce soir, Alien Theory sur RMC, chaîne 23 de l'inédit. Voilà, 21h05, 21h10, hein, à la télé, évidemment. En espérant, vous avez la chaîne. Hein. Bon, pour ceux qui n'ont pas, ben, allez sur Internet. Vous pouvez le trouver en français, mais bon. Il n'y a peut-être pas toutes les émissions. Voilà, je coupe. Merci, à bientôt. A plus. Et merci encore pour son livre. En plus, un grand format, j'aime bien. Plus grand qu'un livre normal, on va dire. Ouais, c'est plus grand. Alors, plus fin, il y a moins de pages, mais en tout cas, il est... Enfin, par rapport à ma tête, quand même, ça fait une bonne gueule. Hein. Ça fait la taille d'une tête. Hein. Hein. De haut en bas, là, il y a... Hein, d'accord. Quand même. Voilà. Je coupe. Merci, à bientôt. Ici, 2-3 jours, hein, apparemment. Là, c'était... Une vidéo comme ça, bon. Mais très intéressante. A plus!